yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Et oui, je suis de retour. Je suis vraiment désolée pour cette longue absence, mais j'ai des milliards de choses à vous dire et à vous expliquer que je ne ferai pas dans cette vidéo, parce que dans cette vidéo on va se concentrer du coup sur le budget, donc système des enveloppes. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je t'envoie à cette vidéo-ci qui va t'expliquer comment commencer, ce que c'est, comment commencer les enveloppes et tout ça. Je t'explique tout, donc n'hésite pas à aller voir et faire un tour si tu ne sais pas ce que c'est. Et là on va se concentrer sur mon bilan du mois de décembre. Et mon bilan de l'année globale, et on va prévoir ensemble le mois de janvier. Voilà, parce que ça serait beaucoup trop long sinon de vous expliquer sur tout ce qui s'est passé, un milliard de choses. Ça a été les montagnes russes pour moi le mois de décembre. On finit sur une bonne note, tout va bien. Voilà, me revoilà sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook, puisque c'est là où j'ai pu vous partager un petit peu ce qui se passait, parce que j'ai déménagé. Voilà, je suis dans une nouvelle pièce. Donc c'est un peu plus vite que d'habitude. Donc je sais, j'ai pas du tout fini d'emménager, c'est un petit peu compliqué. Là, il y a la reprise de l'école, donc j'espère pouvoir faire un peu plus, mais sinon c'était assez compliqué. Donc je vous propose de... alors je vous préviens, la vidéo va être assez longue, c'est un bilan, des bilans, des bilans, des bilans. Donc c'est le bilanception. Ça va être assez long, je sais que la plupart d'entre vous, la majorité d'entre vous, ça ne les dérange pas, vous aimez mes vidéos longues. Donc en même temps je me plie à la majorité, en même temps je vous avoue ça m'arrange. Et puis si jamais la vidéo qui est trop longue ne te convient pas, tu peux la regarder en plusieurs fois. Je mets à chaque fois des chapitres en barre d'infos qui te permet de passer d'un sujet à un autre si ça te convient. Enfin, si tu y a un sujet que tu veux pas si y a un sujet auquel tu veux passer directement, voilà, n'hésite pas à sauter. Tu peux regarder ça en plusieurs fois. Tu peux ne pas regarder du tout. En fait, il n'y a pas de souci. Je ne te force pas. Donc, fais comme tu le sens. Allez, on se retrouve tout de suite sur la table. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Juste un petit spoil. J'ai pas du tout fait. Hein, j'ai pas fait le récap toutes les semaines, j'ai pas suivi mon budget. Vraiment, heureusement que je l'avais préparé au mois de décembre, donc du coup je savais un petit peu où piocher. Mais voilà, vous allez voir, je vais pas vous dire où est-ce que c'est parti exactement, parce que je m'en souviens pas. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite sur la table, à tout de suite. Alors, concernant, là vous voyez, vous avez la vue sur mes outils. Donc concernant les épargnes à long terme et à court terme, on verra ça après. Là on va se concentrer du coup sur ce qui s'est passé au mois de décembre. Donc vous allez voir, je n'ai strictement rien noté, d'accord. Voilà, je le dis direct, je n'ai rien noté. J'ai mis à jour par contre mon agenda, je vous le montre aussi après. Hop. Et c'est parti pour du coup le bilan semaine, mois plutôt, en ce mois clairement du mois de décembre, parce que vous allez voir j'ai rien suivi à la semaine. Ça c'est quoi? Ça c'est pour le mois de janvier, donc on le mettra, on s'en occupera après. Tac tac, ok ok, je l'ouvre. Je vais enlever directement les pièces, parce que les pièces, je les ai toutes récupérées. Mais je vous avoue que j'ai... Ça vient de où, de quoi, de caisse? Je ne sais pas, on s'en fiche. L'important, c'est que j'ai des pièces. Hop, je vais toutes les mettre de côté. Bah, d'ailleurs, on va les compter aussi. On va commencer par ça. Hop. Voilà, et normalement, je vérifie, mais il n'y a plus... rien qui traîne dans les enveloppes. Oui, mis à part, alors là j'ai 50 euros, mais ça c'est grâce à quelque chose qu'on a vendu, et avec mon mari on s'était dit ça va nous servir à payer éventuellement des petites choses qu'il nous faut pour la maison, puisque on a besoin de s'équiper un petit peu pour ici, parce que notamment on n'a plus de lit, hein. Notre matelas il est directement à terre, donc peut-être que ça nous servira à payer ce genre de choses, ou de la déco, etc. On verra bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13, oh, je vais garder de côté ça.
13 euros et 30. Alors 2, 3, 4, 5, 40. 13 euros et 43 centimes. Voilà, de récupérer en monnaie pour le mois de décembre. Au niveau des dépenses CB, ça c'est le bilan, je l'ai fait, vous allez voir sur ma feuille de budget mensuel. Donc j'ai rien noté, on va juste récupérer du coup là où, pardon, les 440 euros en alimentation, ils sont partis et je sais qu'en transport, j'ai dépensé, voilà, attendez, je vais vous dire en même temps parce que, voilà, là j'avais tout noté, je me disais aussi, j'avais tout noté sur une feuille justement, voilà. Très bien, je me suis dit, je m'étais organisée quand même. Donc concernant les dépenses CB, il y a pour ma part 89,18€. Donc docteur, pharmacie, voilà, j'étais énormément chez le médecin. Alors rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais des péripéties et voilà, ça sera le sujet d'une autre discussion, d'une autre vidéo, pardon. Ensuite, pour mon mari... Lui, ah oui pardon, 89,18€ c'est le total de nous deux. Parce que moi c'est 34,28€, mon mari c'est 54,90€. Lui, l'autoroute c'est parce que quand il est allé acheter la cuisine à Ikea et la poste et voilà. Et après le reste que vous voyez là, à boulanger en fait il a payé par carte mais c'est des sous du coup que j'ai retiré parce que j'ai voilà à prendre dans l'enveloppe en taux. Ensuite, et on a acheté des barrières bébés parce qu'on a des escaliers de partout ici. Alors... C'est pas comme dans l'ancien logement où il y en avait carrément dans chaque pièce. Il y avait deux, trois marches, entre chaque pièce. Là, on a deux escaliers et c'est tout. Voilà, il y a que deux escaliers, mais il a fallu du coup mettre les barrières parce que instinctivement, Maëlle, il y va quoi. Donc du coup, il a fallu investir assez vite dans les barrières pour bébé. Et ça, j'ai pris du coup, il a payé en carte, mais c'est des sous que j'ai pris dans fonds d'urgence, donc j'ai arrondi, hein, j'ai pris 120 euros dans fonds d'urgence. Et pareil, cadeau tondeuse, il s'est offert une tondeuse pour son anniversaire, donc 64 euros. J'ai arrondi, je crois, pareil, à 70. Ou j'ai arrondi avec les deux, ouais, voilà, parce que ça faisait 6, 7, ça faisait 75, ouais, c'est ça, j'ai arrondi à 80. Voilà. Du coup, en essence, on en a eu pour 110 euros, donc 80 euros pour moi, parce qu'il s'est servi de ma voiture aussi pour aller jusqu'à Ikea. Donc, je crois que c'était, il en avait pour au moins aller-retour, au moins pour 2 heures de route pour aller à Ikea. On a fait pas mal d'aller-retour aussi entre notre ancien logement et le nouveau. Donc, c'est pour ça. Mais lui, il en a eu que pour 30 euros, et je pense que ça sera quelque chose comme ça, parce que vraiment, du coup, on est à côté de son travail. Limite, il peut y aller en vélo d'ailleurs, hein, il est pas obligé de prendre la voiture. Donc du coup, niveau essence, on a fait des économies, donc ça c'est plutôt cool. Alimentation, les 440 euros sont partis. Il y a eu Noël, etc. Donc voilà, ça c'est fait, alimentation, 440 euros, c'est parti. En santé du coup... Alors il me semble qu'on avait 50, j'avais mis 50 de base, il y a 10 euros qui sont partis et il me reste 20 euros, il me reste 40 euros dans santé, donc ça je vais l'enlever, ça va aller dans mon enveloppe épargne santé. Attendez, je vais essayer de trouver, voilà. Ensuite, animaux, il y avait 20 euros, les 20 euros sont partis, on s'en est servi pour acheter litière et... et parce que du coup, alors autant mon chat, là où j'habitais avant, elle était tout le temps dehors, ma chatte d'ailleurs, elle était tout le temps dehors, là maintenant, écoutez, elle veut pas sortir, alors il y a beaucoup, bon elle connaît pas, il y a beaucoup d'autres chats aux alentours, elle se sent pas encore à l'aise pour sortir, donc elle est à l'intérieur et écoutez... je redoutais un petit peu parce que j'avais peur qu'elle fasse des bêtises, parce que notamment à la maison elle faisait pipi partout. Là c'est pas le cas, franchement je suis très fière d'elle. Donc voilà, là on a acheté la litière, la caisse et tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien à la maison. Donc ça c'est cool, c'est le bon plan, enfin c'est la bonne nouvelle pardon. Je suis plutôt contente là-dessus. Ensuite loisirs, c'est pareil, il y avait 50 euros, les 50 euros sont partis, voilà. Restaurant, il y avait 100 euros, les 100 euros sont partis. En beauté, il y avait 30 et les 30 sont toujours là. Hop. Et je crois pas qu'on s'en soit servi. Je ne sais plus combien on avait mis pour le budget de décembre en beauté. Maintenant, j'ai effacé, donc je pourrais pas dire. Mode, c'est pareil. Il me semble qu'on n'a pas touché. Il y avait 30, les 30 sont toujours là. Hop. Ensuite,
Anniversaire, tout est parti. Oui. 120 euros est parti. Mon mari s'est acheté, en plus de la tondeuse, un fauteuil de gaming. Voilà. D'hiver, il y avait les 50 euros. Les 50 euros sont partis. Maël, les 60 euros sont toujours là. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui va retourner dans son épargne. Et au fur et à mesure, vous allez voir de toute façon, au fur et à mesure, je le remets sur son compte. Voilà, pour éviter d'avoir aussi trop de sous à la maison. Alors, ensuite, Nathaniel, c'est pareil. Les 60 euros sont toujours là. Et vous allez voir, le bilan de l'année est quand même très positif. Bon, j'en dis pas trop. Mon mari, du coup, les 60 euros, lui, sont partis. Et moi, tac, 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 je n'ai pas touché non plus aux 60 euros en même temps. En même temps, voilà, j'avais d'autres choses à penser qu'à me faire plaisir. Du coup, alors, pas du tout de billets de 5 en vente. Bon, en réalité, on a récupéré 50 euros, mais je ne les ai pas comptabilisés. Du coup, en épargne du mois, bah, il y a ce qu'il y a là. J'ai même effacé, du coup, le bonus. Donc il y a eu de la crypto, mais je crois que je l'ai noté. Est-ce que je l'ai noté là? Non. J'ai eu de la... pas de la crypto. La crypto, elle a baissé encore en ce moment. Je sais plus, on est autour de 80-85 euros. Mais par rapport à eBuy Club, donc une application de cashback, je promis, je sais, je dois vous faire la vidéo. J'espère avoir plus de temps pour vous la faire dans mon nouveau logement. Donc c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Grâce à eBuy Club, au lien de parrainage qu'il y a, lorsque vous l'utilisez, bah, je gagne quelque chose. Et je crois que je suis actuellement à 16 euros et quelques. Voilà, et j'y ai pas touché, je vais les laisser pour le moment, j'attends que ça monte un peu. De toute façon, je remettrai bientôt à jour. Et du coup, la monnaie, j'ai dit 13,43€ si je dis pas de bêtises. Donc elle est là. Et au niveau du coup des épargnes du mois, bah, on a 150. 7, 8, 9, 10, donc 250, 270, 280, 290, 300, 320. Alors, je vais recompter parce que je suis pas sûre de moi. 100, 200, 2, 4, 5, 250, 5, 6, 7, 8, 280. Ouais, je sais plus, c'est ce que j'avais dit. Donc, 280 euros d'économiser ce mois-ci. Donc, voilà, je vous ai dit, hein, c'était un petit peu le bordel, hein. Clairement, je prenais comme ça et je faisais pas comme je fais d'habitude toutes les semaines où je tiens à jour mon budget. Pas du tout, c'était vraiment en freestyle. Mais voilà, ça me fait plaisir parce que mine de rien, voilà, les économies sont là, j'ai quand même fait attention. C'est quand même positif. Alors du coup, bah, le bilan de décembre, c'est dommage parce qu'en fait, j'avais tout noté. Mais j'ai tout effacé. Donc, bah écoutez, je me fatigue. Je me fatigue. Pourquoi j'ai tout effacé? Tant pis. Donc, du coup, je ne peux pas vous faire le budget mensuel du mois de décembre parce que j'ai tout effacé. Ah là là, parce que vous saviez, normalement, je le faisais comme ça sur une feuille volante pour éviter d'écrire parce que je voulais l'utiliser pour cette année. D'ailleurs, concernant mon agenda budget, je vais le remettre en vente et ça sera en fait des commandes, ça sera fait à la commande en fait. C'est-à-dire que je pense pas en faire d'avance, ou alors soit j'en fais quelques-uns d'avance, j'en sors 2-3 par mois par exemple, parce que je n'ai aucune idée de combien je peux en réussir à en faire, ou alors je verrai. Je pense que ça sera plutôt comme ça parce que j'ai peur que il y ait par exemple 4-5 commandes d'un coup et que j'ai du mal à m'en sortir au niveau de... Voilà, j'ai pas envie d'être trop surmenée par le boulot parce que vous allez voir qu'il va y avoir plein de changements et tout ça, même par rapport à ma chaîne, par rapport à mon travail. Donc il va falloir que je réfléchisse à comment bien travailler. Donc je pense que oui, effectivement, pardon, je vais en faire peut-être 2 ou 3 par mois. Je pense qu'au moins un par semaine, je pense que c'est largement réalisable. Ça devrait pas me prendre trop de travail. Puisque j'ai aussi mon autre chaîne, Motamo Witch, qui est plus côté spiritualité. Et c'est un sujet que voilà, j'aimerais beaucoup approfondir et que j'aimerais beaucoup faire des vidéos dessus. C'est que j'ai envie un peu plus d'être dans le côté... Il y aura toujours sur cette chaîne-là le budget et je pense aussi vous montrer tout plein de tutos de comment réaliser tout ça. Mais voilà, il va y avoir du changement. Préparez-vous. Et puis bah du coup au niveau des agendas comme des kits, des classeurs que je fais comme par exemple celui-ci qui est entièrement fait main, hein,
Ça sera fait, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup qui sortaient par semaine, bah dites-vous qu'il y en aura encore moins. Ça sera vraiment des excuses évitées. Si vous arrivez à en choper un, c'est vraiment que vous avez du bol, quoi. Donc voilà pour ça. Donc je peux pas vous faire le bilan du mois là. Franchement, je me saoule d'avoir tout effacé. On regardera du coup. Bah là, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau du bilan du mois, donc 280 euros d'épargne. Au niveau du cashback, 16,21 €. Mais ça, je vais le laisser, je pense, pour l'instant sur eBay Club. Défi 2 euros, du coup, on a 10. Défi 1 euro, 5. Défi centimes, 42 centimes. Ça fait un total pour ce mois-ci de 300,63 € d'économiser ce mois-ci. Et du coup, j'ai rien rempli d'autre. Voilà. Et tout ça, après, ça va être utilisé, mais pour ce mois-ci. Et ce que je peux vous montrer, du coup... alors, avant de vous montrer ça, je vais ranger ça tout de suite dans les épargnes. Je vais... Les épargnes à court terme... Normalement, j'ai tout mis à jour. Donc, vous voyez, j'ai récupéré la laisseau de mon mari... On va faire un petit check-up aussi de ce qui me reste dans les enveloppes. Donc mon mari, du coup, on est à 140 euros. Quand il y a la petite épingle comme ça, ça veut dire que c'est il y a 100 euros. Donc là, on est à 140 euros pour lui. Pour moi, du coup, est-ce que j'ai mis à jour? Non, j'ai mis juste 10, mais moi, du coup, j'ai réussi à économiser 60. Hop, donc je vais les y mettre ici. Et on va écrire ensemble... Combien j'ai finalement. Donc, hop. 5, 6 et 7. Donc on est à 70. Je prends mes feutres semi-permanents. Je vais prendre le vert. Non, pas celui-là, faut que je jette. Je jette ceux qui sont bons. Voilà, alors, écho du mois de décembre, on rajoute du coup 60 euros, ce qui fait qu'on est à 70. Voilà, hop, ça, comme ça, c'est à jour. Hop. Ensuite, restaurant, bon ça, il reste 10. Beauté, là, oui, je vais rajouter 30 euros. Donc là, on était à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on était à 110. J'ai mis là par contre que j'ai rajouté 30 euros, donc on est bien maintenant à 140. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer avec un billet de 20. Donc ça fait hein, les petits billets partent très très vite. Donc là, on n'a qu'un seul billet. Et on va prendre... hop, 100. Je sais pas pourquoi j'ai rangé des billets de 20. Là, on a 100. J'ai plus les petites... Elles sont là, les petites épingles. Non, alors, je crois que je les ai mis là. Oui. Hop, voilà, j'aime bien faire ça parce qu'au moins ça permet de voir en une fois. Je sais que dès qu'il y a la petite épingle, ça veut dire qu'il y a 100. Parce que quand on commence à avoir beaucoup de billets, c'est vrai que ça fait. C'est mieux de faire comme ça. Hop, enfin, je préfère moi faire comme ça. Donc, tac, tac. Donc là, par exemple, les enveloppes qui sont là, les enveloppes zip avec le foil dessus, le foil et les paillettes, c'est quelque chose que je vous montrerai, même les étiquettes, je vais tout vous montrer de comment faire. À la base, je voulais faire ça, je voulais faire les tutos de l'avant, si vous vous souvenez bien. Je voulais, pour le mois de décembre, vous proposer au moins un tuto par semaine sur comment je réalise mes créations, mais bon, j'ai pas pu, hein. Vous avez bien compris, je n'ai pas pu. Alors, en mode, on était à 100. Ah ouais, alors là, j'ai pas compris. J'étais à 90 alors que non, il y a 100 là, donc... bref, je rajoute 30 euros et on sera à 130. J'ai mis le bon montant du coup. Donc là, vous inquiétez pas, normalement 90 plus 30, ça fait pas 130. Mais j'ai pas 90, j'ai 100 là. Donc, et c'est pareil, je comprends pas. C'est pas grave, hop, il y a 100 ici. Je rajoute 30 et on sera à 130 en mode. Et ça tombe bien parce qu'il y a bientôt les soldes. Alors... Vraiment désolée parce qu'en fait ça a coupé vu que ma carte mémoire était pleine. J'avais oublié de supprimer la dernière fois. Bref, du coup je ne sais plus où j'en étais. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, donc mode 130, on est à jour. Hop, on continue. Anniversaire,
On reste à 100, du coup, ok. Parce qu'il y a 40 euros qui ont été pris là pour l'anniversaire de mon mari. Noël, ça a bougé aussi, puisque bah, il y a Noël qui est passé. J'ai acheté de la déco, d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, Facebook, je vous ai montré le sapin de Noël que j'ai fait. Voilà, là, dans les 370, il y a la déco et il y a le repas. Pour les sous qui restent, du coup, il reste 130, je vais en rajouter. Il va y avoir là les soldes et les soldes des jouets pour enfants. Et moi, c'est là où j'achète mes cadeaux de Noël. Je vous partagerai ça sur Instagram, Facebook. Certainement, si je peux, si j'y arrive, je vous ferai une vidéo YouTube où je vous présenterai tout ça. Mais voilà, c'est vraiment le bon plan. Donc là, ça va être elle va se vider bientôt mon enveloppe Noël. Mais ça sera pour la bonne cause, ça sera pour les cadeaux du mois qui arrive. Enfin, de l'année qui arrive, pardon. Et donc là, voilà, il y avait 330 euros. Les 330 euros sont partis. Ça nous a servi à payer une partie de la cuisine. Parce qu'on en a eu pour plus que ça, hein, par rapport à pour la cuisine. Donc voilà pour ces enveloppes-là. J'ai rien d'autre à rajouter. Si par rapport au défi, on est à 110. Ouais, donc là, ça n'a pas bougé. Défi 5 euros, ça n'a pas bougé non plus. Là, on est à 160 pour les défis 5 euros. Pour le défi 2 euros, du coup, je crois qu'il n'y a aucune pièce qui rentre parce que les pièces de 2 euros vont aller dans mon défi de la tante Hortense. Hop, 40. Alors, c'est simple. 44. Oui, c'est ça. Je vois dans ma tirelire, j'ai deux pièces de 2, donc on est bon. Et par contre, défi 1 euro, je vais rajouter du coup... des pièces de 1. Alors, avant de rajouter les pièces de 1, parce que je sais plus ce qu'on va faire, c'est que, alors voilà, j'ai pris la petite photo du coup, maman et ma soeur Jeanne à 10 ans, et ça va du coup pour les 10 euros qui sont là, il faut que je la colle, je le ferai plus tard, et je vais mettre du coup 10 euros ici. Et j'avais dit, je mettais les pièces de 2. 2, 4, 6. 8 et 2 pièces de 1, voilà, c'est ça, hop, donc tout ça là-dedans, je ne sais pas encore ce à quoi ça va me servir, hein. Pour l'instant, c'est juste un défi que j'aime bien faire, j'en fais pas beaucoup de défis, mais celui-là, il me plaisait bien, voilà, et n'hésitez pas, vous avez les liens en barre d'infos, c'est pas moi qui le fais, c'est fais ton budget, et il y a les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Du coup, pour les pièces de 1, hop, alors avant de faire les pièces de 1, toujours pareil, je vais éliminer d'abord les petites pièces. Je crois pas que j'ai mis un jour là. Il y avait 20,39 dans ma tirelire comme ceci. Tirelire que vous trouvez un peu partout. 24,02. Bon, alors, ok. j'avais pas mis à jour du tout. Donc, on est à 24,02. Et on va rajouter 42 centimes au 24,02. Je sais pas pourquoi j'ai un doute. Donc ça fera 24,44. Hop. En tout. Et j'ai dit que je rajoutais 42 centimes. Hop. Il est où le 42? Il est ici. Hop. Et c'est parti. Je rajoute les petites pièces. Hop. Hop. Ok. Donc 24,44. Là, on est bon. Ça, c'est des pièces que je vais me servir. Comment ça s'appelle? Les eurocycleurs, je crois que ça s'appelle. Hein. C'est-à-dire que je vais transformer tout ça en bon d'achat pour l'alimentation. Voilà. Vous imaginez, là-dedans, il n'y a que 20... Enfin, le truc, il est déjà bien lourd, hein, je ne voudrais pas dire, mais... Et il n'y a que 24,44 €. Donc, en même temps, il n'y a que les petites pièces. Il n'y a pas de pièces de 2 ni de 1. Donc, on rajoute 3 pièces de 1 euro, ce qui fait qu'on est maintenant... à 39, je vais vérifier quand même. Donc ça, c'est une boîte à thé, boîte à bijoux, je ne sais pas. Peu importe, ça vient de chez Action. Et je l'ai transformé. Donc je vais vérifier qu'il y a bien 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est d'accord. Et quand ça arrivera à 10, j'échangerai contre un billet et je les coulerai. J'écoulerai les pièces, voilà, parce que j'aime pas me trimballer avec des pièces. Donc voilà pour ça, on va regarder du coup maintenant les épargnes à long terme. Hop, 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 hop. Donc, celui-ci.
épargne à long terme. Donc concernant les vacances, des sous ont été piochés dedans. Bon, ça me gêne. Je crois que c'est parce que... Voilà. Donc concernant les vacances, on a pris pour se faire plaisir, pour se faire un resto. C'est surtout que on a un petit peu galéré avant. Mon mari a galéré pour le montage de la cuisine. On a un petit peu galéré au niveau des repas. Bref, 20 euros donc au niveau du resto. Pour le resto, pardon, donc on a pioché dans vacances, donc on est à 310 euros, donc 1, 2, 3, il est 10, on est bon, ok. Au niveau de la voiture, on est du coup à 1, 2, 3, 350, on est bon, ok. Au niveau de santé, alors là, je vais mettre des sous, puisque j'ai réussi à économiser ce mois-ci en santé 40 euros, si je dis pas de bêtises. 40 euros, alors attendez, ça fait combien? 2, 4, 6, 8, 10, et bah, voilà. C'est ça, et on sera bien à 200 euros. Voilà. Oh, je bug. Donc, je transforme en. Ah, bah non, mais écoutez, j'ai pas de billet de 50. Oh, bah dis donc, et c'est rare. j'ai pas de 4, 6, 8. Non. Et là, je les ai transformés. Je vous montre après. Ok, d'accord. Bon, bah j'ai rien dit. On fait un petit peu d'échange, mais voilà, comme ça là on arrive bien à 200. Bon, j'espère que ça ira au niveau des billets ah bah écoutez, vu que ça fait 100, je vais faire ça et je vais prendre hop une petite épingle, hop, voilà, et là je sais que je suis donc 200. Vous voyez, en un clin d'œil, je sais qu'il y a 200. Ensuite, animaux, donc là, on est à 180, donc 100, et j'ai bien compté, ouais, 2, 4, 6, 8, ok. Électroménager, bah, vous doutez bien que la cuisine, il a fallu y ajouter des petites choses si on voulait manger. Donc, il y a 350 euros aussi qui sont partis concernant bah, les achats IKEA, cuisine et électroménager, quoi, les deux vont ensemble, hein. Donc voilà, les 350 euros sont partis d'ici, plus les 330 de là-bas. Ouais, c'est ça, il me semble qu'on en avait pour presque 700 euros chez Ikea. Voilà. Ensuite, mon fils Maël, il a réussi à économiser du coup 60 euros. Donc 2, 4, 6. Hop, je lui mets les billets comme ça. Hein. Et là, c'est que des billets du coup, les billets spécimens comme ça, c'est les faux billets. C'est parce que c'est sur son compte, les sous qui sont là, d'accord? Donc il a 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai rajouté les 60, donc il y avait 910 euros, il y a 910 euros du coup en virtuel, enfin sur son compte, plus là les 60 euros que je rajoute là, voilà, je crois que c'est ça, donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ok, ouais, c'est ça. Hop, donc je vais monter un petit peu les billets. Hop, hop, hop. Parce que pour pas mélanger les billets virtuels et les billets, les vrais billets, hein, mais ça c'est à la fin du mois, c'est pareil, c'est des sous qui vont aller sur son compte. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, pour mon fils. Ensuite, Nathaniel, lui, il a 845 euros sur le compte. Et du coup, là, je rajoute les 60 euros qu'il n'a pas utilisé ce mois-ci. Hein, on fait en sorte, hein, si jamais je... Enfin, quand j'ai des cadeaux à lui acheter... Bon, là, c'était Noël, donc il a été gâté. Mais si jamais j'ai des trucs à lui acheter, j'achète plutôt... je trouve de l'argent ailleurs que sur son enveloppe, parce que ben, je préfère que son enveloppe épargne gonfle plutôt que de lui acheter des bricoles qui durera pas, quoi. Donc 2, 4, 5 et 6. Et ben voilà, et puis normalement on est bon. Et mon enveloppe à moi c'est déjà fait. Ok, donc là on est bon. Hop. Et donc du coup, ils sont bientôt à 1000 euros. Donc franchement c'est top. Franchement c'est top. Ça fait du coup bientôt, ça fait pas encore, mais ça fait bientôt 2 ans que je fais le système des enveloppes. Bah là, au mois de février, mars, il me semble.
Il me semble que c'est quelque chose comme ça, au mois de mars. Ça fera donc 2 ans que je fais le système des enveloppes et je suis à 1000 euros pour mes 2 fils chacun. Donc, très positif, quoi. Au niveau du logement, on est à 1150. Voilà, et tout ça, c'est sur le compte, d'accord ? Ensuite, EODF, ça à chaque fois c'est une épargne que je vous parle, qui est super importante pour moi. Là on est actuellement à 640. Il me semble que ce mois-ci, je ne sais plus si on doit payer ou s'il va y avoir de l'argent rajouté dessus. Il me semble que non, on va peut-être piocher dessus parce que là ça, c'est les périodes d'hiver. Donc moi je budgétise chaque mois 160 euros, je vous en reparle après de toute façon. Et les mois d'hiver, je paye beaucoup plus que 160, je suis presque à 400 je crois. Donc je pioche dans cette enveloppe là. Par contre les mois d'été je mets toujours 160, alors que je suis beaucoup moins, je suis peut-être à 40, 50, 60. Et les 100 euros qui restent, je les mets dans cette épargne. Voilà, ça permet à chaque fois de pas avoir trop d'argent qui sort d'un coup pour le EDF. Parce que nous on paye tous les deux mois je crois. Tous les deux mois, et on paye au réel et pas à l'estimation. Et ça aussi je vous le conseille parce que... à la fin de l'année, quand c'est l'estimation et avec tout ce qui se passe en ce moment, ça monte et tout. Enfin bref, vraiment, je vous conseille de faire vraiment au réel. En fait, c'est le vécu qui parle, hein. C'est parce que ça nous est arrivé une fois et on en a eu en faisant l'estimation. On en avait pour un certain montant. Pardon, je vous bouge, mais j'essaie de... Et au final, à la fin de l'année, on s'est retrouvé avec une régule de 1200 euros. Voilà, vous vous doutez bien que ça fait mal, surtout qu'on les avait pas ces sous-là à ce moment-là. Donc ensuite, fonds d'urgence, on est à 440 euros. Voilà, il y a des sous qui ont été pris aussi, là pour Ikea. Alors, j'ai rectifié de 100 euros parce que je sais pas d'où sont partis. Et il y a une autre rectification de 40 euros parce qu'en fin de compte, me demandez pas. Il y a des sous qui ont été pris justement aussi pour la barrière bébé. Donc dans l'enveloppe urgent, fonds d'urgence, il y a 440 euros. Et c'est pareil, c'est exclusivement virtuel. Pour le moment. Voilà. Et là, c'est ensuite mon lot de faux billets. J'ai tout ce qu'il faut pour jouer à la marchande. J'ai tout mon lot de faux billets pour justement tout ce qui est virtuel. Je vous avoue que je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai pris 4 paquets et c'est vrai que ça faisait beaucoup en fait. En fait, je m'en suis pris pour 20 euros de faux billets et je pensais pas que ça ferait autant. Mais en tout cas, j'ai de quoi faire pour tout ce qui est virtuel justement. Donc voilà pour ce qui reste. Et c'est dommage parce que je ne peux pas vous faire le bilan de l'année finalement, puisque j'ai pas gardé les montants, mais on va regarder. Si on peut regarder par là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder par ici. Là, pour les dépenses mensuelles que j'aime bien faire, je vais pouvoir après enlever ça et je remettrai à jour. Je mettrai certainement l'ancien montant par ici. Et après le nouveau montant qui sera à la fin d'année, comme ça on pourra comparer de combien il y avait en début d'année et combien il y a en fin d'année. Quoi que tu me diras, le montant il sera là aussi, à moins que je reparte de zéro. Et oui, maintenant je vais repartir de zéro effectivement. Donc là, au total des épargnes, alors j'ai comptabilisé que depuis le mois de mai, hein, puisqu'avant ça je ne faisais pas ce format-là, je ne comptabilisais pas comme ça. Donc là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, sur 8 mois, il y a 2779,46€ d'économisés. Donc en réalité sur l'année bien plus, mais à partir du moment où j'ai compté 2779,46€, et au niveau des dépenses, et c'est là que ça fait un peu peur, mais c'est pareil, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est intéressant de savoir. Au niveau des dépenses mensuelles, du coup, on est à 9427,53€. 311,63€ d'économiser pour le mois de décembre et 1409,18€ de dépenses pour le mois de décembre. Bon, c'était un mois un peu, voilà, un peu de dépenses, mais c'est normal. Donc voilà, 9424, presque 10 000 euros de dépensés en 8 mois. Voilà, en dépenses variables, hein, pas en dépenses fixes, hein, j'ai pas mis les deux, hein, parce que sinon ça serait pas le même montant. Donc voilà, c'est assez impressionnant quand on voit ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, voilà, je voulais vous montrer ça. J'ai commencé à le remplir. C'est ma vue sur l'année. Et j'ai mis en fait, voilà, ce que vous voyez de surligné en rose, c'est là où il y a les anniversaires. Ouais, c'est ça. C'est là où il y a les anniversaires. Et je compte comme ça le remplir un petit peu petit à petit avec les dates clés, les rendez-vous, les machins. Enfin bref, un vue d'ensemble sur l'année. Donc je l'ai rempli comme ça avec justement les jours. Ah oh, punaise, il y a mon fils qui pleure. Les jours de la semaine. Voilà, alors je vais essayer de me dépêcher du coup. On va aller directement sur le mois de janvier.
puisque au niveau... Ce que je peux vous dire, si je peux vous le dire là en fait, du coup, on enveloppe épargne long terme, on est à 5 145 € d'économiser depuis presque 2 ans, je charentis parce que j'ai pas envie de compter, presque 2 ans pour les enveloppes long terme, et du coup, enveloppe court terme, 720 €. Là, ça c'est un petit peu baissé, mais c'est normal. Donc ça fait 5 860 € d'économiser en presque 2 ans, 5 000 €. Sachant que un petit budget quand même, hein, parce que c'est principalement mon mari qui a une rentrée d'argent. Moi, c'est très fluctuant, sachant que je suis à mon compte, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc franchement, c'est encore une fois très positif, puisque avant le système des enveloppes, on faisait zéro d'économie. Hein. On n'était pas à découvert, mais on n'avait aucune économie de côté, aucune épargne. Donc, on va regarder ensemble pour le mois de janvier comment ça va se passer. Donc, mon mari, je prévois toujours, là c'est le moment où je me répète, hein, pour les personnes qui me suivent, je prévois toujours 1 400 € de salaire, alors qu'il touche plus, je crois qu'on est aux alentours maintenant de 1 500, 1 600, mais en fait, comme il y a beaucoup des prix, ça varie vraiment, puisqu'il est dans la vente, c'est en fonction des ventes qu'il fait, donc ça varie assez, et le montant là, c'était avant de la renégociation de son salaire, donc je sais que ça a augmenté, mais on a commencé comme ça et on va continuer comme ça, c'est très bien, ça me fait toujours du coup un petit peu plus de sous pour le mois d'après. Donc il y a 1 400 € de prévu pour lui en salaire. Moi du coup, bah, pour le mois de décembre, je n'ai pas travaillé, donc je ne prévois rien du tout. Et la CAF, ça a baissé, donc on est à 470 €. Par contre, vous voyez, M-1, et c'est dommage que j'ai pas gardé du coup mon bilan de décembre. Mais bon, bref, tant pis, hein, on va pas... Donc pour le M-1, 1 240 €. En fait, si vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais prévu un loyer de 700 €. Or, on a été remboursé de la caution du loyer d'avant. Plus, voilà, ça fait qu'on a payé très peu de loyer. Je crois qu'on a payé en tout 200, peut-être dans les 200 €. Donc voilà, pas mal d'argent qu'on a récupéré comme ça. Plus mon mari qui a touché plus. Et aussi, en essence, les économies qu'on a réussi à faire, etc. Ce qui fait qu'on a 1 240 € d'argent virtuel en plus pour ce mois-ci. Donc comment vous dire que ça fait du bien, parce que moi, j'ai nettement moins. Vous allez voir qu'il y a eu du coup des petits changements. Donc on est à 3 110 €. Donc là, c'est quelque chose aussi, c'est un montant total pour le mois qui est plutôt habituel, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des dépenses de mon mari, donc lui, ça lui fait de revenus de 1 640, puisque c'est lui qui les avait du coup les sous du mois dernier. Donc 2 640 € pour lui en revenus, et moi 470, il a que la CAF en fait. Voilà, et du coup, j'arrondis toujours, alors tout ce qui est rentrée d'argent, j'arrondis à la dizaine inférieure, d'accord, si ça faisait... bon là je crois que les montants ils sont plutôt corrects, mais voilà, j'arrondis toujours à la dizaine inférieure, et tout ce qui est dépenses, j'arrondis à la dizaine supérieure, ce qui fait que du coup lorsque je fais le bilan à la fin du mois, je mets les montants réels, et ça fait qu'on a toujours aussi des économies grâce à ça, et c'est grâce à ça qu'on arrive à ne pas être en négatif. Donc l'eau 40 €, crédit 100 € loyer 630, mutuelle 70, EDF 160, assurance 90, frais bancaires 10, box 30, essence 40, alimentation 440. C'est lui qui récupère l'alimentation pour ce mois-ci, puisque moi je peux pas, je ne peux pas payer l'alimentation avec mon petit salaire, malheureusement ça sera pas possible. Donc on est à 1 610 € de dépenses pour lui. Moi, du coup, j'ai mes frais bancaires, donc 10 €, téléphone 1, 30 €, téléphone 2, 20 €, essence 80. J'ai toujours laissé un assez haut montant, mais c'est parce que j'ai baissé, normalement j'étais à 100, j'ai baissé un peu, et petit à petit, je baisserai jusqu'à arriver à un montant le plus proche, voilà. Donc 80, et PS4, 10 €, ce qui fait 150 € de dépenses pour moi. Ce qui fait que moi, je pouvais retirer 320, et mon mari, 1030. En réalité, on n'a pas vraiment retiré ces montants-là, puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des sous qu'il y avait dans les enveloppes de mes enfants pour faire le virement directement
pour éviter à remettre de l'argent et à ressortir de l'argent. Vous voyez, c'est pour éviter ce genre de transaction. J'ai pris directement dans l'enveloppe et je sais que je dois faire le virement de tel montant à mes enfants. Donc bref, ça fait 1350 euros à répartir dans les enveloppes. Donc on va faire ça de suite. Et petite parenthèse, j'ai oublié aussi, dans les enveloppes des filles, il y a 385 euros et 4 centimes. Voilà, donc ça, ça fait plaisir. Donc, allez, c'est parti. On va commencer par le budget du mois. Et du coup, tracker CB, bah du coup, bah, ça, il n'y a rien, c'est des dépenses en plus. En transport, du coup, en transport pour ce mois-ci, je vais essayer de trouver votre... Hop, on va prendre celui-ci. Du coup, je vais mettre le total ici. Je vais essayer, donc hop, mois de janvier. Transport mois de janvier et en total du coup on a prévu 40 pour mon mari et 80 pour moi, donc ça fait 120 euros qu'on a prévu. Hop, alimentation, bon, ça a pas changé, c'est toujours 440, j'étais pas obligée de d'effacer. Ensuite santé, on a prévu ce mois-ci, j'espère que vous voyez bien, santé je sais plus, santé on a prévu 50, voilà, 50 euros. Hop, alors, hop, attendez, 1350, les sous sont, voilà, les sous sont ici, je vais les prendre, on va les compter aussi quand même, on va essayer de faire les choses dans l'ordre, vous allez voir, il y a énormément de billets de 50, donc j'espère que ça ira, il va certainement falloir que je fasse des petites transactions, voilà, les sous sont là, alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux éviter d'en semer. Donc là, on a 1000 euros en billets de 50. Hop. Et 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, 3350, on est bon. Hop, donc je remets les billets en place. Oh, c'est sûr que je suis sûre que je vais manquer de petits billets, c'est sûr et certain. Hop là, alors, c'est parti, santé 50, je vais laisser le gros billet, tant pis. Parce qu'en fait, j'aime bien... Normalement, j'aime bien avoir un petit peu de sous en santé sur moi, mais je vais faire comme ça parce que ça va être compliqué sinon. Animaux, j'ai prévu 50 aussi. Hop. Toujours vérifier qu'il n'y en a bien qu'un seul de billets qui vient, parce que des fois, ils sont collés. Alors, hop, je vais essayer de faire le suivi en même temps. Donc, 50, on va essayer de se mettre à jour pour mois de janvier. Loisirs, j'ai prévu 50 aussi. Non, c'est pas... Normalement, c'est pareil, là, c'est 10 euros par semaine. Mais je vais être obligée de faire comme ça et je prendrai, je piocherai directement dans le budget, je vais pas me trimballer avec les sous sur moi, je prendrai directement ici si j'en ai besoin. Hop, on va faire comme ça pour ce mois-ci parce que là, trop de billets de 50. Hein. Restaurant, on a prévu 100. Hop, voilà, en ce moment, c'est plaisir dans les restos. On peut se permettre, donc on le fait. Hein. Hop. Ensuite, en beauté, j'ai prévu 50. Excusez-moi, j'essaye en même temps de me dépêcher parce qu'il y a mon fils qui pleure. Quelle heure il est? Parce qu'il faut que j'aille en chercher un autre aussi après. Bon, ça va, j'ai le temps pour l'autre. Hop. Mode, j'ai prévu 100 parce que bah, ça va être bientôt les soldes. Mon mari, il faut qu'il se rachète des chaussures. C'est pareil, je liquide les billets de 50. Hein, si je peux les liquider au max. Voilà, anniversaire, j'ai prévu 100. Hop. J'ai pas d'anniversaire. Je sais plus. Non, je crois que c'est pas tout de suite les anniversaires. Divers. Bah, divers, c'est 50. Normalement, c'est 10 euros par semaine. Mais écoutez, là, c'est pareil. Je piocherai
si jamais il y a besoin dedans. Ma L 70. Hop. Hop. 70 pour le mois de janvier. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Généralement, je mets le même montant pour tout le monde. Nathaniel aussi. Sauf que vous allez voir, là, en réalité, ça va pas être tout le monde pareil. Vous allez voir pourquoi après. Donc, Nathaniel, 70 aussi. Mon mari, du coup, lui, c'est 120. Puisqu'il a eu 20 euros... il a eu 50 euros en... d'argent de virer pour son anniversaire par son père. Du coup, je les avais comptabilisés, mais bon, je lui rends quand même. Donc 120 euros pour lui. Donc les 70 plus les 50. Hop. Moi, 70 aussi. Hop. Voilà, pour le budget du mois, c'est bon, c'est fait. Je remplis pas forcément le porte-monnaie, du coup je piocherai vraiment que si, pardon, que si il y a besoin. Ok, donc ça, le budget mensuel, c'est bon, c'est fait. On va faire du coup maintenant les épargnes à court terme. On va finir Noël notamment. Donc ça, c'est dans le budget du mois. Tout ça aussi. Voilà, Noël, j'ai prévu, on a prévu du coup 70 euros. Alors ça fait combien là du coup? Moi j'ai pas envie de compter. Ça serait bien pour avoir un peu plus de billets. Là du coup ça ferait ça ferait pile poil. Là on a un billet de 50. Hop. 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 Et je vais le préciser. Faut que je le note. Faut noter. Parce que quand je note pas, alors déjà comme ça, quand je note, je me perds. Alors quand je note pas, imaginez. Hop. Donc, tac, tac. Et dépôt pour le mois de janvier. J'ai dit, je suis perdue, 70. Donc ça fait bien 200. Voilà, décoration, j'ai prévu de mettre 100. Donc là, je laisse dans l'enveloppe là, mais c'est pareil, si jamais j'en ai besoin durant le mois, je piocherai directement dans les épargnes, hein, pour le coup. Hop, le plus important, c'est que je m'y retrouve, hein, finalement. Hein, et écoutez, au moment, j'y arrive. Donc... Et on va le noter aussi, donc dépôt de janvier, 100. Donc 100, voilà, hop. Là, c'est les défis, donc pas besoin. On va faire les épargnes à long terme. Donc vacances, j'ai prévu 50. Mais en fait, c'est juste au cas où, hein. Juste au cas où, je me suis dit, bon, on sait jamais. On a les sous si jamais on veut faire quelque chose pour les vacances. Hop, mais j'ai pas de... Voilà, j'ai rien de précis en particulier, mais bon, au moins ils sont là. Hop, je le note, je le note, je le note. Dépôt, janvier, 50, ça fait 360. Oui, ok. Voiture, elle va bientôt passer le contrôle technique, donc c'est pareil, je la remplis, d'ailleurs bientôt, je suis en train de me dire, il me reste plus que quelques jours pour faire ça, c'est mon mari qui gère, j'espère qu'il n'a pas oublié, hop, donc comme ça, on se retrouve à, pour l'enlève voiture, on se retrouve à 400, hop, hop. Dépôt janvier 50, ça fait 400. Voilà, allez, ça y est, je commence à m'en mettre de partout. Santé, du coup, ça c'est pour le budget du mois. Animaux aussi. Électroménager, j'ai prévu 50. Ah, ça y est,
J'ai liquidé les billets de 50. Ça me rassure, on est bon. Hop, donc 50 électroménagers. Normalement, j'ai rien d'autre à acheter en électroménager, mais bon, je la remplis un petit peu histoire d'être sûre. Voilà, si jamais il faut quelque chose, au moins cette enveloppe n'est pas vide. J'aime pas avoir des enveloppes vides de toute façon. Mais c'est dans le budget du mois, Nathaniel aussi. Dans logement, j'ai prévu de mettre 50. Allez, hop, 2, 4, 5. Tac. Oh, pardon. Je suis désolée, je vous fais bouger. En même temps, je sais pas faire vite et bien. Tout court. Voilà, moi, il faut que... Donc là, j'essaye de faire vite. Et vous voyez, je fais n'importe quoi. Voilà. Hop, donc logement, on rajoute un dépôt de 50. Au mois de janvier... Donc, on est à 1200. Au EDF, ça, j'y touche pas. Et en urgence, on a prévu 100. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est bon. Oh, je suis contente. Donc là, vu qu'il y a 100... Ah, j'ai pas de... J'en perds pas en route. Bah, du coup, si jamais j'ai des billets que je vais échanger avec des petits billets pour le mois, je pourrais piocher ici éventuellement. Voilà, hop, donc urgence, un dépôt de 100, voilà, vu qu'on a pas mal pioché dessus, on s'est dit, on va rajouter 100, ça ferait du coup 540, oula, voilà du coup pour le bilan, enfin, la prévision là, pour le coup, du mois de janvier. Écoutez, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. J'espère voilà, pouvoir reprendre le travail correctement. Et puis, du coup, avoir un salaire pour le mois prochain. Mais vous voyez, franchement, je m'inquiète pas trop. Parce que grâce au système des enveloppes, ça permet vraiment d'être assez tranquille à ce niveau-là. Ça fait une charge mentale vraiment en moins. Mis à part qu'il faut faire les comptes, hein, ça vous c'est sûr. Mais au moins, voilà, le résultat, la récompense est là. Voilà. Donc, sur ce, je suis très contente de vous retrouver. Je vous en dis plus très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram, Facebook. Et voilà, c'est là où je peux vous le partager plus facilement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous ai même pas souhaité une bonne année. Je suis vraiment désolée. Pour les personnes qui seront restées à la fin, voilà, je vous souhaite une excellente année 2023. Je suis vraiment, mais qu'est-ce que je suis mauvaise, hein. J'ai oublié, je crois que même sur les réseaux, j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Vraiment, mais c'est, voilà, je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!